Gospel Cross. On invite le ministère de Pasteur Joseph. Dimanche 27 novembre, nous sommes présidents à Kinshasa, amis et fidèles de www.gospelcross.net. L'occasion nous est offerte par le pasteur Josué Tchiola, qui va présenter officiellement son album aujourd'hui. C'est précisément sur l'entrée Petro-Congo, là où il a organisé une production scénique. Avec Gospel Cross, nous allons vous montrer les points chauds de cet événement. Nous allons vous montrer comment ça va se passer, bien sûr. C'est-à-dire il a des invités, parce que le pasteur Josué Tchiola a visité d'autres personnes. Il était dans la présentation officielle de l'album « Puis Jésus vint » de la sœur Tété Maccabi. Et aujourd'hui, la sœur Tété Maccabi est aussi invitée par le pasteur Josué Tchiola. Le frère Grasse Mutombo, le frère Tintini, le frère Hervé Perrette, c'est-à-dire tous ces artistes que vous avez vus défiler sur votre grand carrefour religieux qui est Gospel Cross vont offrir leur hospitalité au pasteur Josué Tchiola. C'est pourquoi nous allons vous faire vivre le point chaud et comment et pourquoi pas vous faire aussi vivre les petites interviews, c'est-à-dire les petites annonces avec nos frères et sœurs chantres chrétiens du message qui vont aussi défiler aujourd'hui sur l'estrade et chanter ensemble avec le pasteur Josué Tchiola. Avec Gospel Cross, on vous dit toujours, vous allez vivre l'événement comme si vous étiez sur place. A tout à l'heure. Pendant qu'ils entrent, on pousse les cris de joie. On peut se tenir debout, s'il vous plaît, tenez-vous debout. Bottez les mains. Ils peuvent s'avancer. Et amen. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Nous avons en direct frère Joseph Abel. Bonjour frère. Bonjour. Les gens se demandent où vous êtes parti, comment évolue la soirée acoustique. La soirée acoustique évolue très bien, sauf que nous produisons uniquement aussi ces derniers temps. C'est pourquoi peut-être que vous n'avez pas tellement appris de nous. C'est parce que nous attendons les invitations. Nous n'allons pas encore vers les églises celles qu'on les faisait. Mais de toutes les façons, on se produit continuellement comme la normale les samedis à Mongafula et les dimanches à notre siège qui est à Louzi, sur Victoire, dans le quartier communément appelé Molokai. Et aujourd'hui, c'est une occasion très spéciale. C'est la sortie officielle de l'album Jubilé du pasteur Josué Tchiola. Un message spécial pour lui et pour tout le monde qui va vous suivre en direct sur www.gospelcross.net. Oui, le révérend Josué Tchiola, je l'ai connu d'abord comme un ami virtuel. Mais lors de l'invitation de la soirée acoustique chez lui où je m'étais produit, je l'ai découvert en soi. C'est un talent non négligeable. C'est ce qui signifie d'abord ma présence ici. Vous savez, naturellement, la soirée acoustique se produit aujourd'hui. Mais je suis en détachement pour apporter un soutien inadéquat donc, à l'endroit du révérend pasteur Josué Tchiola. Pour moi, c'est un album qu'il faut soutenir à fond. En soi, c'est quelqu'un qui a su garder le pastorat et l'artiste appelé Josué Tchiola. Donc vraiment, c'est une véritable valeur de la chanson du message. Je suis très très d'avis, et je suis d'avis que cet album sera reçu avec un très grand succès parmi le peuple de Dieu. Tango Yesu akoya ona mapata Tokomonana na ndeko brana mena esengo Tango Yesu akoya ona mapata Tokomonana na frembombo na esengo Tango Yesu akoya ona mapata. Lui, c'est les frères Sony que vous allez retrouver dans nos émissions et éditions très spécialisées. Frère Sony, moi, il est le pasteur Josué Tchiola. Pasteur Josué Tchiola, donc, tu es là pour nous dans le bon Yassika, Jubilé. Nous sommes là pour Jubilé, c'est quoi? Donc, c'est Sengo Mingi. Quand tu as été Paka Nabiso, Papa Nabiso, parce qu'il y a pasteur, il y a Papa Nabiso, il a sali eloko oyo biso toye ko soutenir ye en tant que pe ba yembi pe toye poto tia pe moi po biso nyonso to zala na concert oyo nzambe asali si biso to moni bato bazo ko tebele ba bien aimé bazo tebele donc ba oyo pe ba ko zoa ba image oyo na ba nimba luka ba luka album oyo Jubilé
et édifier. Bon, ce que je peux dire, c'est félicitations. Parce que c'est quelqu'un que je le connais très bien. Il connaît très bien la musique, il écrit bien. Je l'ai entendu souvent. Je lui dis simplement félicitations. Et le monde entier attend votre album jusqu'à aujourd'hui. Comment l'évolution? Déjà, l'album est fini. Je suis en train de me préparer pour commencer les clips. Dès que je termine, je vais lancer. Spécial, la sortie officielle de l'album Jubilé. Un mot spécial avant que vous partiez prester là-bas. Un mot spécial pour tout le monde et pour vos invités. Vous allez peut-être avoir l'occasion de suivre ce qu'ils ont dit à propos de vous. Alors, un mot pour tous ces invités et pour tout le monde qui va vous suivre sur Gospel Cross. Nous disons d'abord merci au Seigneur. Et nous remercions tous les invités, tous les bien-aimés qui se sont mobilisés pour venir assister à notre concert. Et nous croyons que cette sortie officielle sera une bénédiction pour tout le monde. Je dis vraiment que Dieu bénisse les bien-aimés, les frères et sœurs, les invités, tout le monde. Par sa grâce, par la grâce du Seigneur, nous serons édifiés ce soir. Nous le croyons ainsi. Est-ce qu'après Kinshasa, vous entrevoyez d'autres productions, une tournée à l'intérieur du pays ou à l'extérieur? Je pense faire un petit voyage, un premier à Lubumbashi. Il y a des bien-aimés qui m'attendent là-bas. Je crois que je partirai présenter aussi cet album là-bas puisqu'ils en ont vraiment besoin. Et à partir de là, on va planifier d'autres choses. Amis et fidèles, je vous promets, tout juste la semaine prochaine, après ces concerts, bien sûr, on va faire une émission artiste et sonore. On va discuter, parler sur ce qui va se passer aujourd'hui. Et je vous promets, on laisse Pasteur José aller prester. On va se retrouver là-bas. Et avec Gospel Cross, vous allez vivre l'événement comme si vous étiez sur place. Tout à l'heure. Accent de Bona Yesu, Oyoto na Nitentea, Umenipa ujumbe ya wakati wa mwisho, Jumi minipate usima wa milele, Nitembe ndani ya nehema. Merci Jésus, tu es le merveilleux Jésus, laisse-moi t'adorer ce soir. Merci Jésus. Jangwani safari ni ndefu, maisha ni ngumu, ni musukosuko, ni kama Elia kimbia Isabeli. Aliwaza amebaki peke yake, Yesu Masia uniongoze, nikuone wewe nijazwe salama. Naibia kwenye mufande, oh, yambo, hey, oh, yambo.
Natasa Magne. Merci Jésus. Inje ako Bwana Yesu. Est-ce que tu peux danser? Inje ako Bwana Yesu. Hakuna uzima. Dani yako mulinzi wangu Yehova. Unacha uzima. Dani yako mulinzi wangu Yehova. Unacha uzima. Tolobiete mosika na ye omoye zalakate. Il est la parole du temps. Mosi kanayo kolo Yesu. Mamoye jalite. Mosi kanayo kolo Yesu. Mamoye jalite. Kati na yo litonda meke. Iziba ya mamoye. Kati na yo litonda meke. Tika na tato la lobi konangai. Pena di ma etenga na biki sami. Na fanta kaka tina ba ulami. Paya koko potambu maya lobi ko. Na yebete yo zali nganga monene. Yoko lobi la kangai epa ya tata. Ape sangai oyo motema isenge. Kaina kumisi yole loyo. Tika na tato la lobi konangai. Pena di maete ngaya pikisami. Na fanda kakati na basi kolami. Mwaya kongo motambu maya lobi ko. Na yebete yozali nganga monene. Yoko lobi la kangai ipaya tata. Wape sangai, oyo motema esengi. Kaina kumisi yole loyo. Kaina kumisi yole loyo. Oh, oh Jésus, tu es la clé. Ah, oh Jésus. Tu es la clé. Oh, oh Jésus, tu es la clé. Oh, oh Jésus, tu es la clé. Poussez à Dieu, cri de joie. L'agneau sans tache, c'est lui, Jésus-Christ. Il est le Dieu incarné, mon frère, ma sœur. Il a pris ta place au bois du calvaire, une couronne d'épines. Je suis le condamné à mort. Je suis le condamné à mort. Yesu liko dina moto, yo papa ya bitike. Yesu liko dina moto, molokoti ya babwaka. Yesu liko dina moto, makasi ya balimba. Yesu liko dina moto, yo mondoto na tongo. Talaka Yesu liko dina, yo kotambwisa mwasi na libala. Milolo, milolo. Yesu liko dina moto. Yesu liko dina moto. Yonzambe ya batomae. Yesu liko dina moto. Yomondoto na tongo.
Yesu likondi na moto yo monganga monene Yesu likondi na moto yo liloba na tango talaka Yesu likondi oko tambwisa mwasi na libala oh ya tala Israela ya tambula ki na moto tala Israela Kambula kina moto Kaka ilamba moko Etikali ko pasu kateo Tala Israela Bali akama na koutana lola Tala Israela Bamila kama iko utana libanga Tala Israela Bakatisi ebale monene Menike Yesu likondi Kako tambu isape mwasina libala Na ekeke oyo Yesu likondi na moto Yesu likondi na moto Yonzambe ya bantoma Yesu likondi na moto Yonzambe na branam Yesu likondi na moto Yomakasi ya Josue Yesu likondi na moto Okutana na mapoko Talaga Yesu likondi Takotambu isa mwasi nani Toke Toke inona lola Toke toke inona kemba Toke toke inona lola Inona wa bula mala waluma Yesu anye wanza kongulu Yesu anye muchimunyi wa bana beba Yesu anye mujamanga ne mwena manga Yesu anye Badanji mwanye Yesu wani chilobo ne chima kinda Toke, toke, kino na lola Kino na lola Kino na lola Kala mingi na Maka kyo sa suwete Kino na lola Toke kende Kino na kembo Toke kende Kino na lola Toke kende Kino na kembo Toke kende vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que les enfants de Papa Branham sont ici? Voilà. Ça a déjà très bien commencé. Et ça va bien finir. Et que je verrai tous les anges venez bien sûr m'embrasser pour me dire bienvenue quand je serai là au ciel et que je verrai tous les anges venez bien sûr m'embrasser pour me dire bienvenue et les prophètes de l'âge en train de chanter grâce étonnante
à la portée du ciel pour me faire signe que je suis ici. Et le prophète William est en train de chanter grâce étonnante à la portée du ciel pour me faire signe que je suis ici. Peut-être Jésus sur son trône me couronna de sa gloire, me disant mon fils sois bienvenu car tu as vaincu la bataille. Peut-être Jésus sur son trône me couronna de sa gloire, me disant mon fils sois bienvenu car tu as vaincu la bataille. Moi je lui dirai face à face, le regardant dans les yeux, lui disant oh mon Jésus, me couronner c'est bien, seulement je sais une chose, que sur la planète Terre, moi j'ai vu des réalités inoubliables dans mon cœur. Oh sur la terre ça a été, oh oui ça a été, mon sauveur ça a été. Oh oui ça a été, la vie chrétienne a été, ça m'a coûté beaucoup Jésus, sur la terre ça a été difficile. Poussez le cri de joie pour la gloire de Dieu. Poussez le cri. Oh oui, moi je lui dirai, sur la terre ça a été, mon sauveur ça a été, la vie chrétienne a été. Oh oui ça a été. Moi j'ai essuyé le sang à la place de la sueur. Sur la terre ça a été difficile. Oh, oh, oh. Poussez le cri de joie. Mon prophète, disant qu'il était un homme de chair, qu'il a été né dans le péché, disant Branham était un homme de chair, qu'il a été né dans le péché, c'est vrai il était né dans le péché, mais laissez-moi te dire aussi, quand toi tu étais né dans ton village, dis-moi ce qui s'était passé, quand toi tu étais né dans ton village, dis-moi ce qui s'était passé, peut-être c'était en Andashika. Dis-moi ce qui s'était passé, peut-être là-bas à Chileni. Oui, dis-moi ce qui s'était passé, peut-être c'était là-bas en Bujimaï. Dis-moi ce qui s'était passé, peut-être c'était là-bas à Kamanga. Oui, dis-moi ce qui s'était passé, même pas un crapaud de ton village n'avait bougé ce jour-là. Même pas un crapaud de ton village n'avait bougé ce jour-là. Oh oui, c'était un silence total. Jéhovah au ciel est tranquille. Oh oui, c'était un silence total. Elohim au ciel est tranquille. Mais lors de la naissance de mon prophète, Jéhovah quitta le ciel. Le 6 avril, mes bien-aimés, Jéhovah quitta le ciel sous la forme de la colonne de feu et se posa sur son berceau. Sous la forme de la colonne de feu et se posa sur son berceau. Et même les oiseaux ont chanté, chantant disant béni, béni. Oh oui, béni, c'est lui qui vient. Au nom du Seigneur. Oh, ça c'est bien sûr paradoxe. Salut, paradoxe, paradoxe.
oui, ah oui, comme le vieux. Les yeux ont poussé le cœur de son pour la grande. Toi qui es-tu, toi qui es-tu, pour te comparer à mon prophète. Toi qui es-tu, pour minimiser mon prophète. Disant qu'il était un homme de chair, qu'il a été né dans le péché. J'accepte qu'il était né dans le péché. Mais laissez-moi te dire aussi, quand toi tu étais dans les bars du monde, vivant criant la vie est belle. Quand tu vivais dans les bars du monde, vivant criant la vie est belle. Peut-être c'était Amadongé, vivant criant la vie est belle. Peut-être c'était à Kingabwa, oh vivant criant la vie est belle. Dis-moi ce qui s'est passé, même pas la mouche n'est bougée. Dis-moi ce qui s'est passé, même pas la mouche n'est bougée. Mais William Branham, lui mon prophète, un jour devant un verre d'alcool, un grand ouch est venu, lui disant ne bois pas, ne fume pas. Un grand ouch est venu, lui disant ne bois pas, ne fume pas. Ne suis pas ton corps, William Branham, car toi tu es un vase d'honneur. Oh, car toi tu es un vase d'honneur. Oh, ça c'est bien sûr paradoxe. Paradoxe, paradoxe. Il est autant bizarre. Aujourd'hui dans les temps, mes yeux ont, que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire à Kokanga Masolo. Poyaza Mokolo. A Kokanga Masolo. Allo, Nelgina Betanano, je suis unique na jubilé. Après, na kobenga mpakananga wana a koya Kokanga Masolo. Un vieux. Il faut bêter langa jubilé wana. Ah, balobi libala nopo suka masolo yangwani. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Ma face, Israël, dans la joie.
les titres que vous voulez. Descendu,
et l'amour et la capacité de marcher sur le démon. Il est le même en tout temps. C'est la réalité. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus, la guérison divine, le miracle au nom de Jésus, le baptême de feu, l'adoption dans la pierre chrétienne, le baptême du Saint-Esprit, l'adoption dans la chambre du roi, c'est la réalité. Celui qui est libéré va danser pour Jésus. Fidèle de 3W.gospelcross.net. Ainsi prend fin la production scénique du pasteur Josué Tiona. Une très belle ambiance, je vous assure. L'Éternel a été au rendez-vous, ça s'est très très bien passé. Tous les invités que je vous ai parlé aujourd'hui sont passés. Et là, on va prendre l'un des invités du pasteur Josué Tiona, qui est le frère Neville Kanono, qui va aussi sortir son album. Et je vous annonce déjà, il organise un concert, il va nous dire où et la date précise du concert. Bonsoir frère Neville. Bonsoir mon frère. Vous êtes un habitué de Gospel Cross, vous organisez un concert. D'ailleurs, d'abord un mot pour frère Josué Tiona et annoncez aussi votre concert, passez un message à tout le monde qui va vous suivre sur Gospel Cross. Ouais, d'abord nous remercions le Seigneur parce que la soirée s'est très bien passée. Nous avons vu comment les gens avaient l'engouement et ils étaient vraiment dans l'attente de pouvoir recevoir quelque chose venant de l'homme de Dieu. Et nous avons, je crois, je suis persuadé que ceux qui étaient disposés
ont reçu quelque chose de la part du Seigneur. En tout cas, félicitations d'abord à l'homme de Dieu et puis beaucoup de courage. Et nous remercions aussi les enfants de Dieu qui sont venus répondre présents. Et nous les invitons encore à pouvoir toujours venir, à soutenir l'œuvre de Dieu. Et voilà. Bon, nous annonçons aussi la sortie officielle de notre album. Ça sera le 11 décembre à la salle Bali Saint-Air à Limété, résidentielle. Donc à partir de 16h déjà, nous serons là. Nous avons beaucoup d'invités. Nous avons le frère Goël Mapoko, le frère Tintini Sidi, le frère Joseph Tsela, le frère Junior Foka et le frère Zoé Mambaye. Donc nous serons là de 16h à 20h. Nous invitons chaleureusement le peuple de Dieu ainsi que Gospel Cross, frère Trésor, vous serez là. Et nous serons vraiment contents de vous recevoir. Merci frère Neville Cano. Nous vous assurons aussi qu'on va être la partie, qu'on va vous soutenir comme Gospel Cross l'a fait avec tout le monde. Que Dieu vous bénisse, frère Neville. Amen. Merci. Merci beaucoup. En fait, le voyage a été meilleur. Ce n'était pas d'ailleurs un seul, il y en avait plusieurs. Nous avons y sillonné un peu au sein du Congo et aussi sorti un peu de saut en dehors du pays. Mais le Seigneur nous a assistés dans tout ce qu'on a eu à faire. Nous avons vu la main de l'Éternel. Celui qui nous avait envoyé a été avec nous. Voilà. Vous, pasteur José Tchona, vous avez soutenu quand vous avez sorti votre album et vous venez de le rendre à l'ascenseur aujourd'hui. Quel mot gentil vous avez envers le pasteur Josué Tchona qui va vous suivre sur Gospel Cross? Pasteur Josué Tchona, c'est vraiment un papa. C'est vraiment un papa pour moi parce que je l'ai trouvé sur le chant musical. Aussi, il est aussi dans la prédication. C'est un pasteur d'une église. Alors je suis tellement content de le voir faire ce qu'il est en train de faire. Raison pour laquelle j'étais venu ici au concert, juste pour le soutenir. Je n'ai rien vraiment de plus, si ce n'est que prier pour lui. Et avec tout ce que j'ai pensé à l'évolution de son don, voilà. Donc nous prions beaucoup pour lui. Tout ce que je peux lui dire, c'est de prendre courage. Moi, je suis un petit par rapport à lui. C'est ce qu'il m'a aussi toujours dit, de prendre courage. Je lui dis aussi de prendre courage, tenir fort, oublier tout ce qui se dit en négativité, voilà. Prendre la position de Christ et avancer, le Seigneur va l'assister. On en profite pour en parler. Après, ça a été difficile. Est-ce que Frère Grasse est déjà en plein projet pour un autre album ou est-ce qu'il y a un projet d'avenir? Quels sont vos projets d'avenir? En fait, nos projets sont positifs. Parce qu'avec Jésus, la parole de l'air, tout doit marcher. Nous sommes en train de prier. Jusque-là, je suis à genoux, demandant que Dieu puisse ouvrir la brèche. Une fois qu'il va ouvrir la porte, nous allons nous lancer pour faire un deuxième album. Mais jusque-là, je ne suis ni au studio, ni quoi que ce soit concernant le deuxième album. Nous sommes seulement en train de prier et préparant cela spirituellement, faisant aussi des répétitions, croyant que Dieu va pouvoir faire quelque chose en ce qui concerne le deuxième album. Merci. Pour la parole, déjà, je dis que le concert était un concert réussi. En tout cas, il m'a surpris personnellement parce que les gens étaient debout du début jusqu'à la fin. Et c'est un pasteur qui soutient les autres. Il m'a soutenu lors de ma sortie officielle. Donc, je suis venu aussi pour le rendre l'appareil, lui montrer que, effectivement, je suis avec lui. Donc, à mon gentil, à son endroit, je dirais plein succès à ce qu'il fait, plein succès à sa carrière et à son ministère. Pasteur Josué, une prestation scénique, c'est-à-dire c'était une réussite. Dieu a été au rendez-vous, nous avons vu l'ambiance, nous avons vu la communion entre vous et le public. Quelles sont vos impressions et un mot gentil pour tout le monde qui a assisté à ces concerts aujourd'hui et ceux qui vont vous suivre comme s'ils étaient sur place sur Gospel Cross? Nous disons merci d'abord au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous ce soir. Et je dis merci vraiment à ce public qui est venu nous soutenir. Je demande simplement au Seigneur de le bénir richement. Mon impression était que c'était magnifique. Tous les artistes qui étaient passés, ils nous ont vraiment, vraiment égayés. C'était extraordinaire. Nous remercions Dieu et nous disons merci pour Gospel Cross aussi qui nous a assistés dès le début jusqu'à la fin. Que Dieu le bénisse richement.
Alors, les points de vente de CD et DVD de l'album Jubilé vous seront communiqués à très bientôt sur votre site. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ainsi prend fin cette couverture combien précieuse d'aujourd'hui. C'était la sortie officielle de l'album Jubilé du pasteur Josué Tchona qui s'est passé à l'entrée Petro-Congo et ça s'est très bien passé. Retenez une chose, c'est toujours la communion. J'ai vu le grand frère de ses petits frères et les petits frères de leurs grands frères. Et Gospel Cross va être là, très 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 présent pour vous montrer tout ce qui se passe ici à Kinshasa et pourquoi pas ailleurs. Le pasteur Josué Tchona va être suivi petit à petit, on va évoluer avec lui et on vous promet à très bientôt une émission. L'artiste et son art, on va parler avec lui, parler de sa carrière, parler comment elle avait commencé la musique. Et dites merci à frère Théo Baya, dites merci au manager de Gospel Cross qui est le frère Richard Kabea. Moi, je vous laisse, je vous dis au revoir, je vous aime bien, à très bientôt.